Damn les gens, c'est Pierre du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, présentation de mon casier. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer par les traînées. J'ai la traînée du... Enfin, plume noire qu'on a jeté au Ravage. Arc-en-ciel de la saison 3. Bulle de la saison 3 aussi, je crois. Cœur de la saison 4. Erreur système de la saison 5. Étoile filante de la saison 4. Après étoile, saison 4 je crois. Flamme, saison 3. Foudre, saison 4. Ça c'est PlayStation, PlayStation Plus numéro 3. Outre-mer, 3, saison 3. Ça saison 3. Puis ça, saison 4. Donc voilà, enfin je suis pas sûr. Hein. On va écran de chargement. Enfin, non, on s'en fiche. On va aller au planeur. Alors, j'ai bah, le planeur de base. J'ai tous les planeurs du top 1. Même lui de sauver le monde. J'ai unité centrale. J'ai seigneur du planeur. De la saison 2. Royal X de la saison 2. Rétrograde de la saison 5. Planeur carbone de la saison 3. Mako. Halloween, on était niveau 25. Silage bleu du PlayStation Plus numéro 1. Pullover qui était dans la boutique à Noël. Planeur magique de la saison 3 qui est assez beau, je trouve. Flap flap du PlayStation Plus numéro 3. Turbo planeur. Oui, quand on avait le faucheur, il fallait faire les défis. Démon disco. De la saison 2. Friandise de la saison 4. Vaisseau interstellaire qui est dans la boutique. Ça, c'est mon planeur préféré. Trop beau. Intrépide qui est aussi, bah, beau aussi. Et elle de Valora qui est beau. Là, on va passer aux pioches. Alors, bah, la pioche de base. Non, la pioche de base. J'ai Pelaneige qui est dans la boutique. Zephyr. Qui était dans le pass des combats saison 4. Spectre qui était dans la boutique préhistorique. Je l'ai acheté la deuxième fois quand elle était sortie. Mega Sucette de la saison 3. Impulseuse de la saison 2. Qui est assez belle quand même. Ah la Excalibur. A fait presque le bruit de la faux. Hein. Enfin elle est assez loin quand même. Mais... Qui est de la saison 2 aussi. Dancy de la saison... 3 je crois, oui, Cléacroix de la saison 5, et elle est pour ceux qui ont le pass gratuit. Moi j'avais perdu ce compte là, bah je l'avais acheté sur l'autre compte, le pass des combats, je l'ai fini sur l'autre compte, puis là du coup je suis palier 60. Achevée de la saison 3, elle est gratuite. Fulgurante de la saison 2, palier 63 je crois. Double fonction de la saison 3. Positron quand on avait toute l'armure de carburo. Bat fossile, elle a fait à deux doigts le bruit de la faux quand même. Qui est très belle. Bâton luisant. Qui est belle aussi. Ma marteau cleaner, ma préférée. Manette. Assez belle quand même. Entailleuse, la pioche d'Oméga. Et boisson soif. Je sais pas c'est quoi. Non, on va passer d'abord aux tenues. Alors j'ai carburo. Non, on va commencer par le bas. J'ai écuyer bleu de la saison 2. J'ai la chevaleresse. Saison 2 aussi. Là du PlayStation Plus numéro 1. Zoé de la saison 4. Trier. Oh, je sais même plus comment on le dit. Trier bleu de la du PlayStation Plus numéro 2. Spationaute. Ah, de la saison 3. Soldat à facettes de la saison 2. Roi de la rouille. Qui est moche. Ouais, assez moche quand même. De la saison 3. Ouais, 3. Reine des boss. Que je trouve ouais, belle et rare assez quand même. Elle est assez rare. Monsieur Tomate, que j'ai pas fait exprès d'acheter. Mais ça va, elle est assez bon. En plus, on peut le personnaliser. Dis-moi, vous préférez comment? Comme ça? Comme ça. Moi, comme ça, perso. Bien. Après le faucon qui est dégueu. L'as, le skin à 5 euros.
C'est le troisième skin à 5 euros. Graffeuse de la saison 4. Qui avant qui était belle mais maintenant qui est moche. Non. Exploratrice lunaire. Non, dégueu. Chef de section beau de la saison 3. Il est assez beau quand même. Chef d'équipe festive qui est sorti que deux fois dans la boutique. Je l'ai acheté la première fois. Elle est belle quand même. Après, il y a le pack allié qui est... Bah, là, c'est le pack numéro 2. Là, on a le pack numéro 1 quand même qui nous a ressorti dans la boutique il n'y a pas très très longtemps. À 1500 V-Bucks. Alors, s'il l'aurait acheté avant à 5 euros, ça aurait été mieux. Agent d'élite de la saison 3 qui est archi beau, je trouve. Voyageur d'or de la saison 3. Ça va. Ça va, il est assez beau. Valorant de la saison 4. Que... Il y a mieux, mais ouais. Ravage qui est dégueulasse. Mais si vous préférez les ailes de Ravage ou les ailes de voleur de cœur. Moi, j'ai acheté Ravage parce que je pouvais pas acheter voleur de cœur. Parce qu'il était pas sorti. Mais je préfère les ailes de voleur de cœur. Porteur de guerre, le pack sauver le monde. Pack fondateur de sauver le monde. Oméga du dernier palier de la saison 3. Scat. Qui est beau, je trouve. Le visiteur du défi road trip de la saison 4. Le faucheur que tout le monde aime bien, je pense. Joker. Enfin, lui, il vient de la saison 3. Beaucoup de saison 3. Hein. Lui, quand même, qui est assez beau. Pack fondateur, sauver le monde. Chef de l'équipe rose. Après, on a Scorpion, qui est assez beau, quand même. Chevalet noir, ah, qui est magnifique. Et Carburo, qui... Ouais, ça va. Maintenant, on va passer aux danses. Alors, j'ai Fiévreuse. J'ai Groovy, j'ai le robot, j'ai balai masque, désossé, floss, jonglage, t'as perdu, pro du ballon, popcorn, flux de billets, pincée de sel, OKLM, meilleur pote, le vert, tagada U, twist, cassage, clap clap, consternation, grand amour, jubilation. Bon, ça c'est pas grave. Impatience, calcul mental, la danse, vise un peu ça, salut militaire, salut, respect, puis voilà. Après c'est que des tags qui sont pas beaux. Donc voilà les gens, ah, je vais vous montrer la boutique aussi. Là je garde mes V-Bucks pour le pass de combat, il sort jeudi à 14h si vous voulez savoir. Donc les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Donc salut les gens.